me l'avez demandé, il est enfin là, le test du Fujifilm X-T3. Fujifilm m'a prêté le boîtier pour que je puisse vous le tester en long, en large et en travers, donc merci à eux. Le X-T3 est sorti il y a quelques mois à la rentrée 2018, peu de temps après les grosses annonces de chez Nikon avec le Z6 et le Z7 ou encore le Canon EOS R. C'est un peu risqué, je trouve, d'annoncer un nouveau boîtier juste après ces deux grosses annonces. Je sais pas trop si Fujifilm a réussi à surfer sur la vague d'engouement des hybrides. En tout cas, le X-T3 a tout de même attiré l'attention principalement sur des caractéristiques qui sont un petit peu inattendues sur cette gamme de boîtiers, notamment au niveau des performances vidéo. Quand on parle de Fujifilm, on pense plutôt à des boîtiers destinés à la photographie, en tout cas moi c'est ce que je pensais personnellement. Là avec le X-T3, Fujifilm nous annonce qu'il est capable de filmer en 4K DCI, 10 bits en 4:2:0 à 60 images par seconde directement sur la carte, directement en interne, ou alors même de la 4K 60 images par seconde, 10 bits en 4:2:2 par la sortie HDMI. Donc ça, c'est quand même une grosse caractéristique, et en plus de ça, le X-T3 est proposé boîtier nu aux alentours de 1500 €. Donc je sais pas pour vous, mais moi j'ai envie de m'y intéresser un peu, d'aller creuser et voir ce qu'il y a derrière tout ça. Surtout à l'heure où je m'enregistre là, j'ai déjà fait tous les tests du boîtier, que ce soit les ISO, l'autofocus, les performances en photographie, les performances en vidéo, et je serai vous, j'irai jusqu'à la fin de la vidéo. D'ailleurs, le plan que je suis en train de tourner, il est enregistré avec le Fujifilm X-T3 justement, et en objectif j'ai le 18-55 2.8 f/4, tout ça en 4K Ultra HD à 200 Mbps. Je suis pas en 400, je pourrais, mais je vais remplir ma carte beaucoup trop rapidement. Du coup, on va vraiment voir ce qu'il a dans le ventre. Je vous ferai également une comparaison entre ce boîtier, le X-T3, et le Sony A7 III, que d'ailleurs j'ai déjà tourné, et vous allez voir, la comparaison est assez intéressante. Allez mesdames et messieurs, on est parti pour le test du Fujifilm X-T3. Alors, le Fujifilm X-T3, c'est un appareil photo hybride à capteur APS-C. Il vient remplacer sa version précédente, le Fujifilm X-T2. Dans un premier temps, on va commencer par son ergonomie et la prise en main du boîtier. Je cite la marque, une conception héritée de la philosophie du Fujifilm X-T2. Donc on est sur une présentation quand même très similaire, voire même extérieurement, ils sont quasiment identiques. On retrouve les différentes molettes de réglage qui sont un peu la fierté de la marque. Au niveau du design, les seules petites nouveautés en fin de compte qu'on peut remarquer, c'est qu'ils ont réduit très légèrement la roue de correction d'exposition pour éviter de la déplacer par erreur. Certains boutons sur le capot sont légèrement plus proéminents pour un meilleur confort d'utilisation, et on a maintenant un bouton de verrouillage pour la dioptrie du viseur. Au niveau des dimensions, peu d'évolution par rapport à sa version précédente. Juste en profondeur, le X-T3 va prendre un petit centimètre de plus que le X-T2. Au niveau du poids, il prend également quelques grammes de plus que le X-T2, on est à 489 grammes sans batterie et carte, contre 457 pour le X-T2. Une fois en main, bah pas de soucis particuliers, voilà, on a un appareil assez compact et léger. Moi, personnellement, j'aurais préféré une poignée un peu plus marquée, celle-là, elle est encore un peu légère, et finalement elle a assez peu changé par rapport à celle du X-T2. Ensuite, au niveau des connectiques, là, petit changement intéressant, on a enfin une sortie casque qui n'était pas disponible sur sa version précédente. Sans quoi on retrouve un port USB de type C 3.1, un port mini HDMI de type D, ainsi qu'une prise micro mini jack 3.5. Également la porte, le petit cache connectique peut être enlevé, il suffit de le faire glisser comme ça. Donc voilà, ça peut être pratique si vous utilisez souvent les différents ports, les différentes connectiques. Là, aucune gêne, on va gagner du temps. Et puis, juste au-dessus, on a la prise remote. Côté carte mémoire, on a deux emplacements pour carte SD, qui supportent tous les deux l'Ultra High Speed 2. Du coup, dans le menu, on va pouvoir décider que la deuxième carte soit considérée comme la sauvegarde de secours, ou encore on peut enregistrer les RAW sur une carte et les JPEG sur une autre. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir deux emplacements pour la carte mémoire, ce qui n'est pas forcément le cas des derniers hybrides sortis chez les autres marques. Au niveau de la batterie, il utilise la NPW126S, donc pas de nouveauté à ce niveau-là. Sur le papier, ils annoncent une autonomie d'environ 390 images. Honnêtement, pendant mon test, c'est ce qui a été le plus compliqué, surtout au niveau de la vidéo. La batterie dure moins d'une demi-journée. Après, c'est vrai, j'ai fait des tests vidéo qui consomment pas mal, mais pour moi, c'était quand même un des points négatifs. Après, on peut quand même doubler cette autonomie avec le grip batterie, le VG X-T3,
Par contre, c'est un nouveau grip, donc si vous en possédiez déjà un autre, là il va falloir le changer, mais je vous le recommande et puis ça confortera aussi la prise en main, surtout pour les personnes qui ont des mains un petit peu plus larges. Ensuite, au niveau du viseur, ça va être le même que celui du XH1, on est sur un viseur OLED de 3,69 millions de points avec un dégagement oculaire de 23 mm pour éloigner un peu votre nez des displays. On a un grossissement de 0,75 et un taux de rafraîchissement de 100 images par seconde pour un affichage plutôt fluide. Donc au niveau du viseur, en tout cas, il est vraiment confortable à utiliser. Il n'y a pas de latence ni finalement de perte de luminosité. Et même en basse lumière, on va avoir une visée toujours assez confortable. Également, comme pour le Canon EOS R récemment sorti, quand on passe en mode portrait, les displays eux aussi pivotent de 90 degrés pour rester bien lisible, donc ça c'est vraiment chouette. Côté écran LCD, on est sur une dalle 3 pouces d'1,04 million de points. L'écran est tactile cette fois, contrairement à sa version précédente. On peut déclencher une photo avec le doigt, déplacer les points d'autofocus ou encore naviguer dans le menu rapide. L'écran est également orientable sur 3 axes, donc 90 degrés vers le haut, 45 vers le bas, et vous voyez, même en mode portrait, on va pouvoir relever l'écran légèrement. Alors il est toujours pas monté sur une rotule, c'est mieux, je suis d'accord, mais on peut toujours pas retourner l'écran à 180 degrés, donc moi je trouve ça un peu dommage pour un appareil qui se destine quand même pas mal au marché de la vidéo. Ensuite, au niveau des menus, ça n'a pas changé il me semble, on est sur une ergonomie assez identique à celle du X-T2. On a toujours pas mal d'options de personnalisation. On va entre autres pouvoir assigner jusqu'à 4 fonctions au tactile de l'écran. Donc si je fais glisser mon doigt dans un sens, ça va faire apparaître une fonction. Après souvent, en tout cas moi dans mon test, en essayant de déplacer les points d'autofocus avec le tactile, ça me faisait apparaître une fonction liée au balayage. Du coup au final, j'ai fini par enlever cette option. Petit point négatif qui peut être un petit peu frustrant avec le menu, c'est qu'il n'y a pas de mémoire de position. En tout cas, pas pour toutes les catégories du menu, j'ai l'impression. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, si je suis en train de peaufiner des paramètres, puis je vais sur l'écran pour voir le résultat, et si ensuite je retourne dans le menu pour changer ces paramètres, eh bien on revient systématiquement au premier onglet, à la position de départ, et du coup c'est un peu pénible et ça peut ralentir la manipulation. Après, certaines catégories retiennent la position, donc voilà, c'est à voir. On peut également connecter l'appareil à un smartphone via l'application caméra remote pour pouvoir par exemple transférer des images directement sur le smartphone ou encore pour déclencher une image ou une vidéo, même si pour la vidéo on ne pourra filmer uniquement en Full HD. Au niveau du capteur, on est toujours sur de l'APS-C, donc du 23,5 mm par 15,6 mm. Le nombre de pixels effectifs, lui, il a légèrement augmenté. On passe à 26,1 millions de pixels contre 24,3 pour le X-T2. On est sur un nouveau capteur rétroéclairé, c'est le X-Trans CMOS 4. Qui dit nouveau capteur dit nouveau processeur, donc on est également sur le X-Processeur 4. Ce nouveau processeur a notamment été travaillé pour améliorer les performances de suivi sur des sujets en mouvement. Côté vitesse de mise sous tension, moi personnellement pour le Fujifilm X-T3, je l'ai enregistré environ à 1,16 secondes en prenant bien en compte le moment où les displays apparaissent à l'écran, ce qui est dans la moyenne quand même assez rapide. On va maintenant attaquer les performances et on commence justement par l'autofocus. Alors il possède un autofocus de 2,16 millions de pixels de détection de phase avec une couverture de 100%. Classiquement, on va pouvoir choisir la zone de l'autofocus, donc on a le choix entre large, zone, et on va pouvoir aussi sélectionner jusqu'au plus petit point d'autofocus, et du coup on va avoir un choix de 425 points d'autofocus. On peut également dans le menu réduire la grille à 117 points, si 425 c'est un peu trop pour vous. La détection du visage et de l'œil semble retravaillée et assez performante. L'appareil reconnaît assez rapidement les visages. Dans le menu, on va pouvoir choisir entre 5 scénarios différents ou alors personnaliser manuellement la sensibilité et la vitesse du suivi. En photo, comme vous pouvez le voir, l'appareil reconnaît quand même assez bien les visages et les yeux, il semble vraiment réactif. De même, en prise de vue continue, avec un sujet qui se dirige vers la caméra, il y a relativement assez peu de déchets. Également, quand on utilise le viseur, on va pouvoir avec l'écran tactile déplacer directement les points d'autofocus. D'ailleurs, dans le menu, on va pouvoir choisir quelle zone de l'écran on souhaite avoir en tactile. Après, la réactivité de déplacement est quand même un peu meilleure avec le joystick. En basse lumière également, l'autofocus n'est pas encore inutilisable, il suit même plutôt très bien, comme vous pouvez le voir.
Fujifilm annonce que la sensibilité a été étendue de moins 1 à moins 3 indices d'exposition. Là, dans mon cas, tous mes tests d'autofocus ont été réalisés avec le premier scénario, mais en fonction de l'action, vous pouvez bien sûr changer de scénario, voire même le personnaliser pour par exemple augmenter la sensibilité de suivi et la réaction de l'autofocus. En vidéo, avec le mode AFC, l'autofocus est très réactif également. Je vous montre un premier test sans détection de visage, uniquement avec l'option zone. Maintenant, un plan avec la détection du visage. L'objectif, c'est de tester un petit peu la réaction de l'autofocus sur un déplacement ainsi qu'avec une apparition du sujet. Et puis ensuite, même chose avec cette fois la détection de l'œil. Là encore, dans l'ensemble, l'autofocus du X-T3 est vraiment impressionnant et surtout, il n'y a pas d'à-coups ou de gros décrochages. Alors, on n'est peut-être pas encore tout à fait sur un dual pixel, mais l'autofocus du X-T3 a vraiment fait un bond en avant et ça, c'est vraiment une bonne chose. Dans le menu, on peut aussi personnaliser le mode AFC en vidéo. On peut paramétrer la sensibilité de suivi sur 5 paliers ainsi que la vitesse de l'autofocus. Également, quand on déplace le point d'autofocus pendant un enregistrement, la transition est bien fluide et il n'y a pas de saut. Petit point négatif, il n'y a pas vraiment de fonction de suivi si je veux que, par exemple, l'autofocus soit sur un sujet en particulier et qu'il le conserve. Il va falloir que ce sujet soit bien placé sur la zone du focus ou du collimateur sélectionné, ou alors qu'il soit devant tous les autres. Après, on a une fonction de suivi quand on met la zone de l'autofocus sur large, mais il faut bien placer le petit carré à l'endroit d'apparition ou de départ du sujet, sans quoi il va avoir du mal à le suivre. Voilà, ça aurait été bien qu'on puisse aussi cibler un sujet en mouvement avec le tactile et que l'appareil fasse automatiquement le point dessus. En mise au point manuelle, on peut appuyer sur la molette arrière pour zoomer dans l'image. On a le choix entre deux niveaux de zoom. Et si dans l'onglet autofocus, on active vérification AF, cette fois-ci, l'appareil va zoomer automatiquement lorsqu'on tourne la bague de mise au point. Voilà, c'est classique. Chose pratique pour les vidéastes, quand un enregistrement vidéo est lancé, on va toujours pouvoir activer la loupe pour vérifier que le point est toujours bien précis. Ensuite, sur le X-T3, on a également le choix du focus picking, aussi de l'option diviser numériquement image. Comme vous voyez, l'image est divisée au centre et quand le sujet est bien net, et bien les parties de l'image divisées sont censées être bien alignées. Bon, perso, je trouve pas ça forcément très pratique à utiliser. Moi, je vais préférer plutôt la loupe ou alors juste le focus picking. Et puis, il y a aussi l'option microprisme numérique comme aide à la mise au point. En fait, quand le point n'est pas fait, le relief est flou et l'image est censée être bien nette quand le point est au bon endroit. Bon, là encore, je suis pas sûr que ce soit plus utile et plus performant que les autres méthodes, mais c'est plutôt intéressant de voir Fujifilm nous proposer plusieurs outils d'aide à la mise au point manuelle. Côté mode rafale, là encore, quelques nouveautés. Il y a un mode sport qui permet de monter jusqu'à 30 images par seconde avec l'obturateur électronique. Par contre, on va passer sur du 16,6 mégapixels et on a un crop d'1,25 fois sur notre image APS-C. D'ailleurs, dans ce mode, on voit le crop, c'est-à-dire qu'il va laisser apparaître le format APS-C et à l'intérieur, le rectangle du crop pour pouvoir finalement cadrer en fonction. Et ça va nous permettre aussi d'anticiper un peu et de voir une action arriver. Donc par exemple, pour les photographes de sport, ça peut être vraiment intéressant. Sinon, sans le crop, toujours avec l'obturateur électronique, on va pouvoir monter à 20 images par seconde ou alors à 11 images par seconde avec l'obturateur mécanique. Et là également, avec le X-T3, l'obturateur électronique va créer moins de distorsion que sur les modèles précédents, donc c'est plutôt agréable à utiliser. En tout cas, maintenant, la visée est super fluide et en mode rafale, on n'a pas d'image noire entre les shoots, donc ça c'est plutôt agréable. Chose un petit peu décevante, le buffer au niveau des RAW est pas terrible comparé au buffer du JPEG. Par exemple, avec l'obturateur mécanique à 11 images par seconde, le buffer est de 42 RAW contre 145 JPEG. Mais bon, on a quand même un mode rafale qui, dans l'ensemble, est de bon calibre. Au niveau des ISO, je vous ai fait plusieurs tests dans des configurations d'exposition différentes, on en parle juste après. Alors jusqu'à 6400, je trouve l'image assez propre. À 12800, on commence déjà à le ressentir un peu plus, mais je trouve que c'est loin d'être inutilisable. Après, à partir de 25000 ISO, là, il y a vraiment un écart et la montée du bruit est beaucoup plus flagrante. Je vous montre quelques images et plans pris en basse lumière entre 1600 et 6400 ISO.
Donc vous voyez, ça reste encore utilisable, dans l'ensemble, il y a quand même une bonne gestion de la montée en ISO. Fujifilm nous propose aussi une option de réduction de bruit sur 5 paliers. Alors ça va voiler légèrement le grain, bon il faut quand même bien zoomer dans l'image pour le remarquer, mais ça peut nous permettre de monter jusqu'à 12800 ISO sans que le fourmillement soit encore trop visible et gênant. En vidéo, Fujifilm propose aussi la fonction réduction de bruit entre images 4K. Voilà, ça va adoucir un petit peu le bruit sans trop diminuer la qualité d'image. J'ai l'impression que ça fonctionne assez bien. Côté photographie, on a le choix entre trois formats, c'est un peu les formats classiques, 3/2, 16/9 ou le format carré, avec à chaque fois le choix entre trois résolutions différentes. Et pour le JPEG, on va avoir le choix entre deux niveaux de qualité, donc fine et normal. On retrouve également les différentes simulations de films propres à Fujifilm. On a le choix entre Provia, Velvia, Astia, Classic Chrome, Pro Négatif High, Pro Négatif Standard, Eterna Cinema, Acros, Monochrome et Sepia. Alors moi personnellement, dans l'ensemble, je suis vraiment fan de ces profils d'image de chez Fuji. Ils sont assez subtils et ils ont une restitution des couleurs assez impressionnante. Toujours au niveau de la photo, Fujifilm nous propose sur ce boîtier une nouvelle fonction de réglage monochrome qui va nous permettre de reproduire un petit peu les différentes teintes d'époque qu'on pouvait obtenir avec certains révélateurs en noir et blanc. Donc on va pouvoir utiliser cette fonction avec le mode monochrome ou encore film Acros. Après, c'est vrai qu'on peut obtenir aussi assez facilement ce rendu en retouche, mais c'est toujours plus sympa de faire les choses directement sur le tournage avec le boîtier. Et puis il y a aussi l'effet couleur chrome qu'on peut activer pour donner un petit peu plus de profondeur dans les dégradés, surtout quand on photographie un sujet avec des couleurs vives et saturées. Il propose également la possibilité d'ajouter un grain artificiel sur l'image. Après, ça aussi, on peut le faire en post-production. Côté balance des blancs, on retrouve les paramètres classiques. On va pouvoir choisir la température de couleur entre 2500 et 10000 Kelvin. Il y a également un mode timelapse avec le choix de l'intervalle et du nombre d'images. Ensuite, si on tourne la molette de sélection de mode, on a le mode d'exposition multiple qui va combiner deux clichés différents. Juste à côté, on a le mode filtre créatif. Dans le menu, on va pouvoir le personnaliser, on a tout un choix de filtres créatifs. Bon, c'est plutôt du loisir, mais c'est quand même présent. Et enfin, on a le mode panoramique qui va combiner plusieurs photos pour créer une image au format panoramique. Également, l'appareil propose une option pour contrôler un peu plus la dynamique, donc notamment pour les scènes contrastées, et essayer de ramener un peu d'informations, surtout dans les hautes lumières. Donc il y a 4 modes, 100%, 200%, 400% ou auto. Donc déjà cette option, elle va augmenter légèrement le nombre d'informations récupérées dans les hautes lumières. Et puis Fujifilm propose aussi la fonction priorité plage D qui a l'air d'agir encore plus sur la plage dynamique. Alors là, le mode fort est activable à partir de 640 ISO. Par contre, la marque n'est pas vraiment plus explicite sur le fonctionnement concret de ce réglage. Donc je peux pas vraiment vous en dire plus. En tout cas, ça peut être des fonctionnalités assez intéressantes pour les amateurs de JPEG, ce qui leur permet de sortir tout de suite un JPEG avec une plage dynamique un peu plus importante sans avoir à passer par la case retouche. Mais bon, le RAW reste quand même un moyen assez efficace pour conserver des détails dans les basses lumières et les hautes lumières. Ok, maintenant on attaque les performances vidéo, ce que vous attendez tous évidemment. C'est le premier boîtier Fujifilm à proposer en sortie HDMI du 4K DCI à 60 images par seconde en 4:2:2 10 bits. Vous inquiétez pas, je vais vous montrer des images tout à l'heure, vous allez voir. Mais en plus, c'est également le premier appareil photo hybride APS-C, toutes marques confondues, à pouvoir enregistrer une 4K 60 images par seconde en 4:2:0 10 bits en interne directement sur la carte SD de la caméra. Également au niveau des codecs, en H264, on peut enregistrer du 8 bits en interne et du 10 bits par HDMI. Et maintenant avec le HEVC, le H265, on peut sortir du 4:2:0 10 bits, voilà, directement sur la carte SD de l'appareil. On va également avoir le choix du débit allant jusqu'à 400 mégabits par seconde en H265. Par contre, à 60 images par seconde en 4K, là, le débit est limité à 200 mégabits. Donc voilà, on nous présente des performances assez impressionnantes. Par contre, pour le 400 mégabits par seconde, il va vous falloir au minimum une carte SD de classe d'écriture V60 ou plus afin de tenir la cadence. Ensuite, vous avez également toutes ces cadences de disponibles en Ultra HD et en Full HD, et même en Full HD on peut enregistrer un débit de 200 Mbps. Et puis il y a aussi un mode slow motion en Full HD à 120 images par seconde avec un débit de 200 Mbps par seconde. Donc sur le papier, au niveau des performances vidéo, on a à peu près tout ce qu'on peut espérer, en tout cas sur un boîtier grand public. Je vous mets maintenant toute une série de plans test, voilà, je vous laisse observer et commencer à vous faire un avis sur l'image, on en parle juste après.
Voilà, dans l'ensemble, je suis vraiment bluffé par la qualité d'image. Après, honnêtement, difficile de vous dire qu'il y ait de grosses différences entre le 422 10 bits HDMI et le 420 interne, entre le H265 et le H264, ou encore entre le 400 mégabits et du 200 mégabits. Faut vraiment aller zoomer dans l'image pour voir les différences. Après, c'est sûr, on aura quand même plus d'informations. Ça va être des clips qu'on va pouvoir travailler en étalonnage. Même le Full HD est très correct. Je vous remets une comparaison entre la 4K et un 1080. À noter toutefois, en 4K à 60 images par seconde, on a un petit crop d'1,18. Mais ça nous permet quand même de faire de super slow motion en 4K, et ça, c'est vraiment pas donné à toutes les caméras de cette gamme. D'ailleurs, quasiment tous les plans de l'intro de la vidéo ont été filmés en 4K DCI à 60 images par seconde. Ensuite, le X-T3 propose aussi un mode slow motion à 120 ou 100 images par seconde, avec le choix de la cadence de lecture 24, 25 ou 50 images par seconde, ce qui va nous permettre de visionner le plan directement au ralenti sur la caméra. Par contre, en slow motion, on a un petit crop d'1,29 à l'image. Après, le fichier est quand même enregistré à 200 mégabits, ce qui permet d'avoir une image d'assez bonne qualité pour du Full HD. Mais pour resituer par rapport à la concurrence, je rappelle toutefois qu'avec le GH5, on peut déjà filmer à 180 images par seconde. Pour l'instant, les fichiers du X-T3 sont limités à 4 Go. Fujifilm avait annoncé que dans le prochain firmware, celui de décembre 2018, la limitation serait enlevée. Ça doit être toujours d'actualité, mais je crois que cette partie du firmware a été repoussée à justement ce mois de janvier. Sinon, le HLG, le hybride Log Gamma en 4K, est désormais également disponible depuis la mise à jour de décembre. Mais du coup, moi, comme j'ai testé l'appareil avant la sortie du firmware, j'ai pas pu vous tester le HLG. Je vous montre également la différence entre la simulation standard, donc le Provia, l'Eterna ou encore du F-Log. D'ailleurs, je vais vous montrer aussi la différence entre un profil standard sur une scène contrastée et du F-Log. Là, les deux plans ont été exposés pour les hautes lumières et maintenant je vous montre le F-Log après la retouche. Donc voilà, on a quand même une petite différence. Dans le menu, on peut également choisir si on veut enregistrer en 4K, à la fois sur la carte SD et par la sortie HDMI, ou alors juste la 4K en interne et du Full HD en externe, ou encore l'inverse. Sinon, sur le X-T3, on a aussi du focus peaking ainsi que les zebra qu'on va pouvoir régler entre 50 et 100%. Mais si on veut aller plus loin, on peut regretter de ne pas avoir plus d'outils d'aide à l'exposition, comme par exemple un vectorscope ou la waveform, qui sont eux présents en plus sur le GH5 par exemple. Côté rolling shutter, il y en a un peu, mais il reste quand même assez bien maîtrisé contrairement à certains boîtiers. Petit point négatif et certainement le plus gros reproche qu'on pourrait lui faire, c'est qu'il n'y a pas de stabilisation interne. Le capteur, voilà, n'est pas stabilisé comme peut l'être le XH1. Alors ça n'empêche pas d'utiliser une optique stabilisée ou alors d'utiliser un stabilisateur externe. C'est vrai que c'est un plus quand on utilise surtout une focale fixe non stabilisée, mais bon, il aurait été quasiment parfait ce boîtier s'il avait eu la stabilisation. Allez, pour finir maintenant, je vous fais écouter les micros intégrés de l'appareil. Test des micros intégrés du Fujifilm X-T3 en intérieur dans une pièce bien calme, sans aucun bruit parasite. Je suis situé à une distance à peu près de 80 cm par rapport au Fujifilm X-T3 et le gain est réglé sur automatique. L'appareil choisit lui-même le bon niveau à appliquer. Conclusion, eh bien moi je suis vraiment bluffé par cet appareil de manière générale. Au niveau des points positifs, on est sur un appareil compact, plutôt léger, on a un double emplacement pour carte mémoire qui sont tous les deux compatibles à la Ultra Speed 2, donc ça c'est plutôt rassurant. Le viseur est également bien défini avec un bon taux de rafraîchissement d'image pour une visée plutôt bien agréable. L'écran LCD est tactile, en tout cas jusqu'à un certain point, on va par exemple pouvoir déplacer les points d'autofocus. On a tout ce qu'il faut au niveau des connectiques avec notamment une sortie casque, ce qui n'est pas toujours le cas sur ces gammes de boîtiers. Le X-T3 est également meilleur que son prédécesseur en basse lumière. On a vu que jusqu'à 6400, disons 12800 max, on va pouvoir utiliser cette montée en ISO et de manière générale, il y a une gestion du grain assez homogène. Au niveau de l'autofocus, grosse surprise, il est vraiment très bon. Ça fait vraiment plaisir de voir Fujifilm avec un boîtier aussi réactif. Au niveau de l'autofocus, surtout en vidéo, en AFC, le boîtier va pouvoir conserver la détection de l'œil, ce qui est le cas de très peu de boîtiers, et on a un rendu vraiment très fluide. Vous verrez également la comparaison avec le Sony A7 III. Honnêtement, de ce que j'ai pu tester, l'autofocus du X-T3 est quasiment au même niveau que les derniers boîtiers hybrides de chez Sony. Au niveau de l'image, c'est vrai que Fujifilm a vraiment un très bon rendu des couleurs, surtout au niveau des teintes de peau, du visage, je trouve le rendu vraiment très réussi. Et puis, autre caractéristique de force, c'est clair, pour le X-T3,
3, c'est la vidéo. Vous avez une multitude de réglages, de résolution, de débit, de codec, de cadence d'image. On va pouvoir faire des petits ralentis à 60 images par seconde en 4K DCI. D'ailleurs, si je me trompe pas, c'est le seul boîtier APS-C du marché à être capable de filmer à 60 images par seconde en 4K Ultra HD ou 4K DCI. Donc ça, c'est assez impressionnant. Ensuite, au niveau des points négatifs, parce que cet appareil n'est pas parfait, pour moi, il faut parler de l'autonomie, même si elle est un peu meilleure que sa version précédente, le X-T2. Ça reste quand même trop juste, notamment au niveau des performances vidéo qui sont assez gourmandes. La batterie va chuter assez vite. Là, pendant mon test, c'est vraiment ce qui m'a été le plus pénible. Je l'ai beaucoup ressenti. Vraiment, ma batterie tenait moins d'une demi-journée, on va dire 2-3 heures, et à chaque fois, il fallait que je recharge. Donc si vous partez sur le X-T3, je vous conseille vraiment d'investir également sur le grip batterie externe qui va finalement tripler l'autonomie. Et là, vous allez être beaucoup plus à l'aise sur le terrain. Au niveau de l'écran LCD, c'est un peu mieux. Il peut pivoter sur 3 axes. On l'a vu également sur le côté pour le mode portrait. Donc ça, c'est intéressant. Mais il est toujours pas monté sur rotule. On va pas pouvoir l'orienter à 180 degrés. Et c'est quand même dommage sur un boîtier qui est quand même très orienté pour la vidéo. Voilà, c'est dommage. Beaucoup de marques commencent à l'intégrer dans leur boîtier. Et aujourd'hui, c'est quand même un plus d'avoir cet écran en mode selfie qui va pouvoir nous aider à nous filmer. Rien que là, présentement, je suis obligé d'utiliser un écran externe par HDMI pour savoir si le point est correctement fait, si mon plan tourne toujours, si je suis bien cadré dans l'image. Bref, c'est quand même super important. Ensuite également, et c'est certainement un des reproches qu'on va le plus souvent lui faire, c'est qu'il n'a pas non plus de stabilisation mécanique du capteur. C'est dommage, effectivement, de plus en plus de marques commencent à intégrer cette stabilisation mécanique, voire la double stabilisation, double IS. Voilà, ça aurait été un plus, cet appareil aurait été vraiment très complet avec cette stabilisation. Après, ça doit pas être non plus le seul élément qui va vous décourager de l'acheter. Il y a d'autres solutions. Pour la vidéo à main levée, on peut utiliser une optique stabilisée ou alors un stabilisateur externe. Même si c'est vrai que Fujifilm propose beaucoup d'optiques qui sont non stabilisées. Alors, est-ce qu'il faut l'acheter? Je vous dirais pas le contraire. Si vous êtes intéressé par les boîtiers Fujifilm, c'est certainement un des meilleurs, en tout cas un des plus complets. Et d'ailleurs, bon, c'est un avis personnel, mais je pense que c'est certainement un des meilleurs boîtiers hybrides à capteur APS-C sur le marché, en tout cas à proposer ce genre de performance. On pourrait penser à l'A6500 de chez Sony, qui est assez proche en termes de performance, mais il propose pas la 4K DCI, les 10 bits ou encore les 60 images par seconde en 4K. Donc oui, c'est vraiment un très bon boîtier. Si vous êtes intéressé par la photographie, il a quand même un capteur à environ 26 mégapixels. L'autofocus va être très agréable à utiliser, notamment avec la détection de l'œil. Le rendu des couleurs, des teintes de peau est vraiment très bon, je trouve. Et puis le mode rafale est quand même assez développé, notamment avec la cadence du mode sport qui est assez ahurissante. Et puis évidemment, la vidéo devient un aspect assez important sur cette troisième version du X-T. Finalement, on a des performances qu'on a assez peu vues depuis le GH5 de chez Panasonic. Donc c'est très impressionnant et plutôt de bon augure pour Fujifilm. Donc voilà, un peu tout style de photographie, du sport, de l'animalier. Et puis pour les vidéastes, je pense qu'on peut le recommander également en vidéo pour des courts-métrages, de la fiction. Voilà pour le test du Fujifilm X-T3. J'espère que vous êtes encore là, que vous êtes arrivé au bout de la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce boîtier du Fujifilm X-T3. Est-ce qu'il vous tente ou alors au contraire, qu'est-ce qu'il vous fait hésiter? Voilà, dites-moi tout ça. Les liens de l'appareil sont dans la description de la vidéo. La comparaison de la 7.3 et du Fujifilm X-T3 va certainement être la prochaine vidéo à sortir. Si vous avez aimé cette vidéo, vous connaissez évidemment la routine de soutien en 3 clics, c'est super important. Et puis allez, dernier cap avant les 10 000 abonnés. Ici, derrière la caméra, ciao les artistes.